Yo. Ok. Oui, je sais bien que l'homme est vil, qu'avec ses vices, il dévie, il délivre ses sévices avant de sévir ses délits, délicieuse romance qui finit en potence, empotée en portant les restes d'insouciance. Un souci, deux soucis, trois soucis et c'est fini. L'accumulation d'ennuis se termine toujours en zizanie, se conclut toujours en amorphie, s'achève toujours en léthargie. L'ermitage comme solution pour lutter contre la phobie, la folie, l'anoxie, j'en perds mon souffle. Ouf, je souffle et je crois bien que mes jambes se coupent, mais je préfère rester immobile, inaudible et indolore plutôt que ressentir la douleur de tout droit foncer dans le gouffre. Alors je couvre mes rêves, je redoute mes trêves et je n'ai pas comme objectif de crouler sous le dollar, ni de me saouler tous les soirs, ni de me saouler tous les soirs. Les sentiments se font la mal sans ressentiment, mais ça fait mal tellement que je croirais à l'étranglement. Étrangement, je commence à regretter durement l'étrange temps où je pensais qu'amour, amitié durait au minimum 100 ans, au maximum éternellement. Au firmament, je rêvais bêtement, la bouche béante comme un enfant à qui on offre l'émerveillement. Mais la merveille règne, l'amertume m'imprègne et m'oppresse. Ma réalité s'affaisse à force d'adresser son espoir face au déboire où on finit par perdre la mire et boire la tasse. Paix. On finit par boire la tasse. Yeah.